Je vous avais pas vu. Oh là là. Il me reste encore 2 gros mois d'université. Mois de mars avec des exposés et mois d'avril avec les partiels. Et je dois encore faire le montage du test de pureté et des nouvelles aventures à la fête foraine. Donc voilà, je me suis installé dans mon lit. Je suis dépassé. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Ciné News. Et comme d'habitude dans ces vidéos mensuelles, je vais vous dévoiler les sorties cinéma et sorties DVD du mois à venir. J'espère que votre Saint-Valentin s'est bien passé et que vos vacances se passent bien. Après, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Sachez que tous les films qui sortiront le mois prochain, le mois de mars 2020, ne seront pas développés dans cette vidéo. Il va s'agir seulement des films les plus importants. Alors c'est parti. Lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons tout de suite avec les sorties cinéma. Le 4 mars, on aura 3 films. Tout d'abord, un biopic sur De Gaulle avec Lambert Wilson, dont l'histoire va se dérouler à Paris en juin 1940. Le couple De Gaulle est confronté à l'effondrement militaire et politique de la France. Charles De Gaulle rejoint Londres pour tenter de poursuivre la lutte, tandis que sa femme se retrouve avec ses 3 enfants sur la route de l'Exode. Le premier film Pixar de cette année, du nom de En Avant, racontera l'histoire de 2 frères elfes vivant dans un univers imaginaire qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde et par la même occasion trouver le sort qui pourra faire revenir leur père d'entre les morts pour une journée. Papy Sitter est une comédie française avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit peu fréquentable, débarque à l'improviste. La cohabitation entre les papys s'avère plus compliquée et Camille va profiter de leur querelle pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. Le 11 mars va être très chargé avec 5 films. La Bonne Épouse est une comédie franco-belge. Nous allons poursuivre les péripéties de Paulette van der Beek qui enseigne la tenue d'un foyer et le pli au devoir conjugal dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Une autre comédie française du nom de Miss raconte l'histoire de Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui a un rêve, être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de conquérir à Miss France en cachant son identité de garçon. Au gré des étapes d'un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleur, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout de lui-même. Un autre film français, mais cette fois-ci c'est un film fantastique et dramatique. Voici Une sirène à Paris. Crooner au cœur brisé, Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes en faisant s'emballer leur cœur jusqu'à l'explosion. Lorsque la scène en crue vient déposer Lula au pied du Flower Burger, la péniche cabaret où chante Gaspard, c'est un mini tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui a souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se connaître. D'ailleurs, j'ai vécu la première avant-première nationale du film. La vidéo est disponible sur le petit en haut à droite et je vous conseille le film. C'est par le réalisateur de Jack et la mécanique du cœur. Encore un biopic, mais cette fois-ci, on aura droit à celui sur Marie Curie. Radioactive se passe à Paris à la fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d'une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir 2 nouveaux éléments, le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique incident, Marie doit continuer ses recherches seul et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne. Enfin, on aura droit à la sortie en salle de Vivarium, nominé dans 5 prix au festival de Gérardmer de cette année, un film avec Jesse Eisenberg. À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Le 18 mars, ce sera seulement 3 films. Très rapidement, Pinocchio sera un film italien adapté du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone, et le film promet de beaux visuels, même si ce n'est pas le film Pinocchio produit par Guillermo del Toro que l'on attend encore. Forte est une comédie française avec Mela Bédia, Valérie Lemercier et Alison Wheeler. Bien déterminée à enfin séduire, Nour a trouvé la solution imparable, la pole dance. Avec l'aide d'une prof un peu particulière et de ses 2 meilleurs amis, tout aussi paumés qu'elle, Nour va surtout essayer d'apprendre à s'accepter.
On y vient, je l'attends avec impatience. Sans un bruit d'eux de John Krasinski est un film thriller fantastique avec Emily Blunt sur des créatures dangereuses qui se réfèrent au son. Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Pour le 25 mars, je ne vais retenir que 6 films. The Room est un film thriller fantastique nominé dans 5 prix au festival de Gérardmer de cette année, tout comme Vivarium. Kate et Matt quittent la ville pour s'installer à la campagne dans une grande maison isolée et délabrée. Peu après leur déménagement, ils découvrent une chambre qui a le pouvoir d'exaucer tous leurs désirs. The Demon Inside est un film d'horreur où, après 3 années passées en prison pour la mort d'un enfant lors d'une séance d'exorcisme qui a mal tourné, le père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d'être possédé. La Daronne est une comédie policière qui va raconter l'histoire de Patience Portefeu, interprète judiciaire franco-arabe et spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers la Daronne. Bloodshot est un film d'action sur le super-héros qui sera joué par Vin Diesel. Ray Garrison est un soldat tué en mission et ramené à la vie par RST Corporations, l'entreprise qui l'a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessures. Mulan est le remake en live action du classique de Disney. Lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, roi Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Divorce Club est la nouvelle comédie française de Michael Youn avec Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison et McFly et Carlito le temps d'une scène. Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe, humilié et plaqué dans la foulée. Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. D'ailleurs, j'irai le voir en avant-première le 5 mars en présence de Michael Youn et Arnaud Ducré, donc attendez-vous à ce que sorte une nouvelle vidéo avant-première. Il y a beaucoup trop de films et si peu de temps, ça fait chier. Mais pour ce qui est des sorties DVD, on va aussi être servi. Tous les films qui sont sortis fin octobre et pendant le mois de novembre vont sortir en DVD pour ce mois de mars. C'est parti, let's go! Le 4 mars, on commence avec l'adaptation d'un roman par Yvan Attal avec son film Mon chien stupide avec Charlotte Gainsbourg. Le 6 mars sortira le film Midway de Roland Emmerich avec Patrick Wilson, Woody Harrelson et Luke Evans. Le 11 mars, on aura droit à 3 films. Tout d'abord La Belle Époque, film français de Nicolas Bedos avec Guillaume Canet et Daniel Auteuil. Ensuite, nous aurons la suite de Zombieland intitulée Retour à Zombieland, toujours avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Emma Stone. Et enfin, nous aurons droit à Doctor Sleep de Mike Flanagan, la suite de Shining par Stanley Kubrick avec Ewan McGregor et Rebecca Ferguson. Le 18 mars sortira le film J'accuse de Roman Polanski avec Jean Dujardin qui a dépassé le million d'entrées en France et qui a été nominé 12 fois au César malgré les plaintes d'agression sexuelle contre le réalisateur à la sortie du film. Le 25 mars sortira en DVD le film qui nous a représenté aux Oscars même s'il n'a pas reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Je parle du film Les Misérables de Lajli. Et sortira aussi la comédie française Joyeuse Retraite avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Le 27 mars sortira le film de Rian Johnson à couteau tiré avec son casting 5 étoiles. Et enfin, le 31 mars, nous aurons la sortie de 2 films. Tout d'abord La Reine des Neiges 2 que j'ai bien aimé. Et ensuite, nous avons un autre film récompensé aux Oscars pour le meilleur montage et le meilleur montage son, Le Mans 66. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties ciné et DVD à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement, la cloche et les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux mois de mars. Ça y est, c'est le mois du printemps. Les fleurs vont revenir et ça va être le moment de chanter à tue-tête comme les oiseaux dans Bambi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Esprit Z. Coupé.